Voilà, c'est dimanche, hein? Nous sommes à Yamsoukro, à Dougounou Kwadjokro Kikro. Voilà, donc vous êtes sur Téléafrique, je suis Dadou Henri Joël Zama. Téléafrique Group, une entreprise BTP. Nous sommes dans l'immobilier, on fait la construction de logements, la vente de terrains. Et nous sommes dans notre quartier, hein? Le futur quartier Zama de Yamsoukro. Et là, c'est notre mini-market. Nous sommes en train d'accélérer pour ouvrir. Voilà, donc l'autre côté, ce sont les toilettes modernes que nous sommes en train de faire là pour mettre nos clients à l'aise. Voilà. Et voilà, donc on est sur le terrain jusqu'à il n'y a même plus. Je suis parti. Voilà, on va faire une très belle terrasse ici. Une très belle terrasse. Donc c'est un resto, en même temps mini-market, pour desservir tout ce nouveau quartier là. Voilà. Puisque je commence à avoir beaucoup de voisins, donc c'est normal que on puisse ouvrir un bon resto café ici, Superette. En tout cas, vous êtes rempli. On est venu puiser un peu d'eau là, voilà, avec les enfants. La bâchée est là, tranquille. Hein. Dimanche tranquille. Au moins les gens sont en train de passer là, ils sont quittés à l'église. Au moins les gens sont en train de laper les bières quelque part là-bas. Nous, on est sur le terrain, en train d'accélérer le chantier. Appréciez un peu. Donc, venez ici à Dougounou Kwadjokro, c'est à Yamsoukro, juste à 5 minutes du centre-ville. Ça, ce sont les lampadaires, l'éclairage public de Yamsoukro qui commence ici. Lorsque vous quittez à Bois-Fleu-Dallois, et la voie est très, très, très animée. Hein. Ici, là, la voie est très, très animée. Vous voyez, c'est une zone désenclavée. Donc, ici, jusqu'à 5 heures du matin, vous avez les véhicules qui passent ici. Voilà. Donc, c'est une voie internationale. Ça, c'est la voie qui va à Bois-Fleu, Daloa, Dioukoué, Vavoua, tout ça. Jusqu'en Guinée, Libéria. Donc, on a permis beaucoup de personnes d'acheter des terrains dans ce coin-là. Et nous avons encore les terrains, seulement que la promotion est terminée. Mais on peut toujours vous faire des modalités. Les terrains qui sont disponibles, c'est à 2 millions de francs CFA. Ça, c'est à Yamsoukro avec attestation villageoise. Donc, le village est là. Le village de Kikro, appelé aussi Dougounou Kwadjokro, on vous fait un terrain de 500 mètres carrés à 2 millions de francs CFA avec attestation villageoise. On peut vous permettre de payer sur 10 mois. Vous donnez une avance de 1 million de francs CFA cash et chaque mois, vous payez 100 000 francs sur 10 mois. Vous avez fini de payer les 1 million restants. Ça, c'est une meilleure manière d'économiser parce que vous n'arrivez pas à économiser. Vous voulez mettre 100 000 francs de côté par mois pour pouvoir acheter un terrain, mais vous n'arrivez pas. Chaque fois, il y a un petit problème, vous prenez dedans. Nous, on vous donne déjà le terrain et puis on vous permet de payer chaque mois un peu. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Le site, ici, on ne parle pas d'approbation. C'est un village. Le village est déjà approuvé. Donc, c'est une extension. Vous achetez votre terrain, vous commencez à construire. Voilà quelqu'un qui a fait une grosse villa ici. Voilà, une grosse villa, hein. C'est un palais. Hein. Voilà. Et nous habitons déjà sur le site, hein. Voilà. Au moment où les gens cherchent terrain au centre-ville où il y a les supermarchés et écoles françaises là, nous on est en train de créer pour nous-mêmes ici notre supermarché ici avec notre restaurant bien chic là au bord du goudron avec une belle forêt qui est en face là. Et donc on respire bien ici de l'oxygène bien purifié là, hein, de l'air bien purifié. Et nous-mêmes on est sur le chantier. Quand tu veux que ta chose avance vite, hein, il faut mettre la main dans la pâte. Hein. Car, taxi, hein, vous avez accès, moto, vélo, sauf bateau, avion, vous pouvez atterrir, l'aéroport est juste quelque part là-bas. Voilà, donc c'était juste pour... Voilà, vous voyez l'appel, hein, on est là, on est sur le chantier. Voilà, c'est pas seulement que le bureau, hein, on n'aime pas le bureau. Il y a aussi d'autres qui ont commencé leur fondation là-bas. Vous voyez, c'est pas du jeu. Donc au moment où les gens cherchent les terrains, 25 millions, 15 millions au centre-ville de Yamsoukro, tu as 2 millions, viens ici, je vais te donner un terrain, tu vas construire en même temps, tu habites là. Ici là, il y a beaucoup de projets, nous-mêmes on donne l'exemple, voilà, ligne courant, nous-mêmes on a mis ligne privée, c'est là, il y a courant, il y a l'eau, ceux de ci, c'est là, voici les enfants sont en train de puiser. Donc quand tu veux, tu peux, voilà, donc venez. Que tu sois aux États-Unis, à Bengay, en Côte d'Ivoire, ici, quelque part là-bas, le futur président de la Côte d'Ivoire, il va résider à Yamsoukro. Donc, c'est maintenant. Si le président est là, là, les choses vont aller très, très vite. Et ça va coûter très cher. Très cher, mon frère.
Les terrains où on a payé ici 1 500 000, 2 millions, vous allez payer ça 100 millions cash. On n'est pas pressé. Ça est là-haut, c'est à vie. Nous, on partit au paradis, on laisse nos enfants vont continuer. Ça est là. Donc, il n'y a pas de terrain qui est loin. L'autre, il a acheté son terrain à 100 millions. Cette même maison-là, il va mettre dessus duplex 6 pièces. Tu as acheté ton terrain à 1 million, tu mets même duplex là-dessus, c'est même valeur. Il vient chez toi, il te respecte. C'est comme ça. Donc, c'était Télé Afrique Group hein, avec son PDG, Dadou Henri-Joël Zama. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Télé Afrique.